kolo monene tobo sana te kongo tolinga na e toyoka na e to salisana malamu bongo tobongisa kongo. Il s'est tenu à l'esplanade de la préfecture de Pointe-aux-Noires, notamment sur l'avenue Marie-Ngouabi, le défilé marquant le 63e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo, avec pour thème l'engagement citoyen, résilience et progrès. Rehaussé de la présence du préfet de Pointe-aux-Noires, M. Alexandre Honoré Paka, qui a procédé à l'ouverture du défilé en ces termes. À l'occasion des festivités, marquant le 63e anniversaire de l'indépendance du Congo, les troupes sont rangées. Je vous demande l'autorisation de commencer le défilé. Je vous autorise à commencer le défilé. Quelques citoyens conscients de la portée historique de cet événement se sont prêtés au micro de nos reporters. Ce jour est marqué de deux pierres, et notamment dans le cadre religieux, la montée au ciel de la Vierge Marie le 15 août. Et puis le Congo célèbre son indépendance. On se dit que le 15 août, le Congo a été béni ce jour-là parce qu'il y a à la fois une action politique, le Congo indépendant, puis il y a une action religieuse, la montée de la Vierge Marie au Congo. Une première fois, je viens assister à ce genre de défilé. Je l'insiste souvent pour le 1er mai, mais cette fois pour le 15 août, j'ai vu les mamans, les vieilles mamans défiler, les chefs de quartier, toutes les personnes là mobilisées en train de défiler. Encore, ça me fait plaisir. Aujourd'hui, si nous fêtons, c'est l'indépendance parce que nous sommes libres. J'ai une joie immense pour notre anniversaire aujourd'hui, que le Congo part en avant. C'est une fête de la République. Tout le monde fête l'anniversaire en vert, jaune, rouge. On est très, très en joie. Maintenant que nous célébrons le 63e anniversaire de notre indépendance, nous avons écouté le discours du chef de l'État. Il a mis un accent particulier sur la paix. Il a mis un accent particulier également sur le fait que tous les Congolais devraient soutenir le président de la République dans ses différentes actions, notamment en ce qui concerne ses efforts dans le domaine du réchauffement climatique. Il faudrait que nous soutenions, nous les Congolais, qu'on soutienne les efforts du chef de l'État parce que ce sont des efforts nobles. Les défilés se passent bien, les gens sont dans la joie. Tel qu'on vient de voir les gens de Kimbagis qui viennent de passer là, ils sont bien habillés et tout le monde sont dans la joie. Le défilé vraiment se passe bien. Les festivités marquant le 63e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo se sont déroulées dans la sérénité et dans l'espoir du rétablissement de la paix, comme le témoigne le discours à la nation du chef de l'État. L'événement, qui a pris son entame à 10h30, a connu son épilogue à 2h40 dans l'ambiance festive et la joie. De la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance du Congo, Nelly Rose Kayamusunda.